la rue, je vais arriver d'Arcturus. J'en profite pour saluer Sean. Sean, voilà, Arcturus que tu connais, parce que c'est la ruche que tu parraines avec Cassie. On va regarder comment elle se porte au début du mois d'avril, et potentiellement je vais lui donner une première pause à remplir dans l'optique des prochains jours qui s'annoncent plutôt très beaux. Wow. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Les têtes de cadre parce que c'est un peu le bazar. J'avais posé un cadre à bâtir lors de la dernière visite, on va voir comment il a été construit. La réponse est en entier. Bâti et pondu. En entier, superbe. Ce cadre est plein de réserves, il est très lourd. Et le cadre doit peser 3-4 kg, très très lourd. Oh, celui-ci est encore plus lourd. Ah, il est rempli. Bonne nouvelle, je ne vois pas de cellule royale. Ah, je ne sais pas comment vous avez fait les filles, mais malgré le mauvais temps, ça veut dire que vous êtes beaucoup sortis. De la ponte. Et plutôt les réserves. De la ponte. Beaucoup de pollen, c'est bien. Cette ruche est blindée. C'est parti pour la première fosse. Et voilà. Coucou la ruche d'Arcturus. Voici la hausse. Et la hausse est très 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 remplie.
douceur parce que là il y a beaucoup d'abeilles et beaucoup de miel. Alors est-ce que c'est opportuné? Non, pas encore. Voilà, tout rempli. Tout rempli de miel. Les abeilles ont bâti ces cadres. Plus grosses alvéoles, les alvéoles de stockage. Et puis, bien, elles sont en train de stocker du miel dedans. Et voilà. Et voilà. La reine d'Arcturus. Sur le cadre. Hop là.